Savoir observer avec un œil averti l'anatomie du cheval et connaître la fonction précise de chaque partie de son corps ne peut que renforcer le plaisir des passionnés d'équitation. Il est très simple de repérer la fin du garrot. C'est à partir de cet endroit que commence le dos du cheval. On appelle le dos la région du cheval sur la ligne de dessus située entre le garrot et le rein. On localise la région du dos là où les vertèbres thoraciques commencent à s'abaisser. Au toucher, on distingue une zone dure et aux lignes douces qui donnent un aspect légèrement concave au profil du cheval. Enfin, à l'arrière, le dos s'unit avec la zone du rein. La structure osseuse du dos chez le cheval se compose à la fois des dernières vertèbres thoraciques, rattachées aux côtes du cheval, et des premières vertèbres lombaires, qui, elles, ne sont reliées à aucune côte. Ces vertèbres sont positionnées au-dessus des flancs du cheval. C'est là, sur le dos, que le cavalier se tiendra assis sur sa selle. C'est pourquoi on préférera un dos court et fort à un dos effilé ou décharné. Il est assez facile d'imaginer une table qui repose à chaque extrémité sur deux chaises. Plus les chaises sont éloignées, plus la table se pliera en son centre sous l'effet du poids. Au contraire, plus les chaises sont proches, plus la table sera résistante et aura du mal à se plier. De la même manière, on recherche chez un cheval un dos suffisamment court pour pouvoir résister au poids du cavalier. Évidemment, cette mesure sera toujours proportionnelle à la taille du cheval et aux dimensions de la selle que l'on désire utiliser. Un dos particulièrement court est souvent un dos très résistant. Mais cela peut aussi être un inconvénient, car le dos constitue la jonction entre l'avant-main et l'arrière-main. Dans ce cas, les postérieurs sont trop proches des antérieurs, et sans une bonne coordination des mouvements, les pinces des postérieurs heurtent les pieds antérieurs, ce qui provoque des lésions et des blessures. C'est un défaut relativement commun chez les chevaux de race arabe, car ils possèdent une vertèbre lombaire de moins que la plupart des autres races. C'est aussi pour cette raison qu'il est vivement conseillé de protéger les talons des chevaux. Les chevaux dotés d'un dos long n'ont pas ce genre de problème, car leur postérieur ne touche jamais les antérieurs. Cependant, les chevaux dont le dos est trop long présentent un autre désavantage. Ils éprouvent plus de difficultés à se rassembler, c'est-à-dire à engager leur postérieur sous leur corps dans un bon équilibre. Plus le dos est long, plus il est fragile, et plus le rassembler est délicat à obtenir. Les poulains viennent au monde avec de longues jambes, mais en attendant de les voir adopter l'allure et l'harmonie propres à leur espèce, la nature compense bien les choses, car tous les poulains naissent ambleurs, c'est-à-dire qu'ils lèvent et posent les pieds par bipèdes latéraux. Autrement dit, ils lèvent et posent en même temps les deux membres du même côté. D'abord, l'antérieur et le postérieur droit, puis l'antérieur et le postérieur gauche. De cette manière, il est impossible que les antérieurs et les postérieurs se touchent. L'amble est une allure naturelle chez certaines races de chevaux, notamment les trotteurs. Chez les autres races, en revanche, cette allure se transforme en une allure diagonale où l'antérieur droit se déplace en même temps que le postérieur gauche, et vice-versa. Savoir observer le dos d'un cheval et bien connaître son fonctionnement permet de comprendre le rôle fondamental qu'il peut jouer dans les diverses disciplines équestres. Cela nous permettra de prendre toujours plus de plaisir aux côtés des chevaux, tout en leur évitant blessures et désagréments. On appelle Piovero un cheval dont la robe de base est marquée de larges taches blanches. Bien que l'on ignore l'origine du nom Overo, on suppose qu'il dérive du latin ovum, qui signifie l'œuf. Peut-être est-ce une référence à l'aspect que prend un œuf sur le plat. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on parle de robe Overo,
On indique une robe de base quelconque avec une proportion de taches blanches réparties sur le corps, sans tenir compte de la présence éventuelle de blanc sur la tête et les membres. On indique d'abord la robe de base à laquelle on ajoute overo ou pi. C'est ainsi qu'on appelle Bay Overo ou Bay Pi les chevaux Bay avec des taches blanches et Isabelle Overo ou Isabelle Pi les chevaux Isabelle avec des taches blanches et ainsi de suite. L'évolution de l'espèce a rendu les chevaux plus rapides. La conséquence a été d'avoir réduit le pied du cheval à un seul doigt, le sabot. Lorsqu'on fait allusion à la dépigmentation de la peau qui a donné la couleur blanche, il s'agit d'une involution, car c'est la mélanine qui est responsable de la couleur des poils et qui protège la peau des radiations du soleil. Les chevaux de cette couleur étaient les préférés des rois. En effet, l'originalité de leur robe allait de pair avec une fragilité et une faiblesse qui nécessitaient des soins que seul un roi et sa cour pouvaient prodiguer. La robe Pi est synonyme de dépigmentation, qui est un facteur génétique héréditaire. Dans ces cas-là, et d'après les études de génétique équine du professeur Lasley, la nature opère sa propre sélection en éliminant dès la naissance les animaux complètement blancs. Cela provoque des pertes considérables dans les élevages. En effet, un animal dépourvu de pigments sur la peau a, par définition, moins de chances de survivre. En ce qui concerne les chevaux overo, on a souvent l'impression qu'ils sont passés au galop dans des flaques de peinture blanche. En observant attentivement ces robes, on voit que les taches blanches sont plus nombreuses sur le ventre et sur les membres et plus rares sur la région du dos. Dans le cas des taches diffuses, la limite entre la couleur et le blanc est très irrégulière. Chez de tels sujets, les poils de la robe de base ne se distinguent pas facilement, ce qui fait naître des doutes sur sa véritable couleur. Lorsque la tache est claire et régulière, la limite avec la couleur de base est très nette. Dans de nombreux cas, l'absence de pigments sur la peau peut également affecter la couleur des yeux. Une dépigmentation au niveau de l'œil fait que l'iris est décoloré et que l'œil paraît bleu. Ces chevaux sont plus sujets à des problèmes de vue que les autres, car ils sont plus facilement aveuglés par la lumière. Tous les problèmes évoqués ici font que la robe Pi n'est pas admise dans le standard de nombreuses races. Cela n'enlève en rien le plaisir procuré par ces chevaux et l'émerveillement qu'ils suscitent en nous. Les chevaux à robe tachetée ont toujours été très appréciés au cours de l'histoire. Dans certaines cavernes en France, on a retrouvé des dessins rupestres de chevaux tachetés datant de plus de 20 000 ans. Cela explique pourquoi la race Appaloosa est l'une des plus admirées et des plus originales qui existent. Ces chevaux se distinguent aisément des autres en raison de leur robe très particulière, tachetée, en général sur la région de l'arrière-main. Ce sont les colons espagnols qui ont introduit sur le continent américain les chevaux dont la race Appaloosa est issue. Elle a ensuite été adoptée par les tribus du Nord-Ouest américain, en particulier celles établies près de la rivière Palouse, qui traverse l'état de l'Idaho. C'est là que vivaient les Indiens nés percés, qui, au XVIIIe siècle, sélectionnèrent les meilleurs spécimens de cette race de chevaux tachetés pour en assurer la reproduction. Très rapidement, les chevaux Appaloosa se sont répandus dans les États de Washington, de l'Oregon, de l'Idaho et dans tout le Nord-Ouest américain. Ils se sont vite affirmés comme des chevaux de selle rapides et agiles,
dotés de grandes capacités de résistance. Lorsque les colons arrivent dans cette région vers 1710, ils nomment leurs chevaux tachetés les chevaux de l'Appalouse. Avec le temps, le nom s'est transformé en anglais en Appaloosay, puis enfin en Appaloosa. En 1877, suite à une guerre territoriale contre les colons blancs américains, les Indiens nés percés perdent la plupart de leurs chevaux, qui meurent ou passent aux mains de la cavalerie américaine. Beaucoup sont castrés, d'autres retournent à l'état sauvage. Mais une grande partie d'entre eux est croisée avec d'autres races, et en 1930, le cheval Appaloosa des Indiens nés percés a presque complètement disparu. C'est à ce moment-là que Claude Thompson, un fermier de Moreau, dans l'Oregon, décide de sauver cette race en voie d'extinction. Il achète des chevaux dans tout le pays et commence un système de sélection en utilisant des étalons arabes pour affiner la race. En 1938, il participe à la création de l'Appaloosa Horse Club, qui compte aujourd'hui plus d'un demi-million de spécimens inscrits. Actuellement, aux États-Unis, le cheval Appaloosa est reconnu et considéré comme une race officielle et exclusive. Ces chevaux sont très polyvalents. Nombre d'entre eux sont spécialisés dans le travail du bétail et sont issus de croisements avec le Quarter Horse. Leur morphologie est compacte et musclée, avec une ligne dorsolombaire droite, la tête et l'encolure étant bien proportionnées. D'autres Appaloosa rappellent leurs ancêtres originaux, avec un port de tête plus haut, une tête plus petite, un profil rectiligne, le dos court et droit, l'encolure arquée et la croupe arrondie. Le corps des chevaux Appaloosa est donc puissant et musclé. Les extrémités doivent être nettes et bien dessinées. Leur hauteur varie de 1,47 m à 1,57 m au garrot. La crinière et la queue sont clairsemées. Les sabots sont striés. Sur la tête, la peau des naseaux, le tour des yeux et la bouche sont marbrés. Leur encolure est longue et musclée, indicatrice de leur puissance. On ignore l'origine des taches présentes sur le corps de ces chevaux, réparties de manière irrégulière, mais il ne fait aucun doute que cette caractéristique joue un grand rôle dans l'originalité de la race. Il existe six types de robes Appaloosa. Léopard, la robe toute blanche ou très claire est parsemée de petites taches sombres ovales. Capé taché, la croupe et les reins forment une zone blanche parsemée de petites taches sombres. On la considère comme la robe originelle. Capé, une large zone blanche recouvre la croupe, contrastant ainsi avec le reste de la robe, plus sombre. Flocon de neige, la robe de base sombre est parsemée de petites taches blanches. Marmoré, robe sombre à la naissance, qui se parsème ensuite de poils blancs et blanchis, sauf sur les zones osseuses comme la tête, les épaules, les hanches et le garrot qui restent sombres. En général, les mâles présentent des taches et des nuances plus vives que les juments. La robe tachetée possède donc deux variantes de base, la couverture ou le capé. C'est-à-dire lorsqu'une robe de base sombre est interrompue par une zone blanche qui recouvre la croupe et les reins. Et le léopard, lorsque la robe de base blanche est parsemée de taches, à l'instar d'un chien dalmatien. Il existe cependant d'autres types d'Appaloosa, comme le léopard peu de taches, le capé taché ou la couverture tachée. Identique au capé, mais avec la zone blanche sur la croupe, parsemée de petites taches sombres. Les autres caractéristiques distinctives de cette race sont la peau marbrée autour des naseaux, des yeux et des parties génitales. Il peut parfois arriver qu'un poulain naisse sans aucune de ces caractéristiques, même si ses deux parents sont des Appaloosa. L'Appaloosa Horse Club accepte d'enregistrer ses chevaux. Mais s'ils doivent participer à des concours ou à des courses, il faut prouver leur pédigré et les soumettre à une inspection.
Cette race est de tempérament docile et tranquille, fruit des soins prodigués jadis par les Indiens nés percés. La qualité première des Appaloosas est leur vitesse. Ils sont également dociles et faciles à dresser, ce qui en fait des chevaux parfaitement adaptés pour l'endurance. Ils possèdent une grande capacité d'apprentissage. Dans le passé, l'Appaloosa a longtemps été le cheval de prédilection de l'équitation western, notamment pour le team Penning et le Barrel Racing. Mais aujourd'hui, il s'adapte parfaitement aux épreuves de saut d'obstacles, de dressage et participe avec succès à des épreuves d'endurance. Les éleveurs d'Appaloosa sont sans aucun doute ceux qui cultivent le plus la polyvalence de ces chevaux, appréciés et reconnus de tous. Ils offrent ainsi à leurs cavaliers l'occasion de se distinguer dans les compétitions et les disciplines équestres. Un bon cheval de reining doit être capable de se soumettre au contrôle total de son cavalier dans chacun de ses mouvements, sans résistance apparente. Sont jugées la fluidité des mouvements, la finesse et l'attitude du cheval, ainsi que la rapidité et l'autorité dans l'exécution des différentes figures. Dans les épreuves où le cheval est monté en filet, les filets releveurs sont interdits. On utilise un snaffle bit, un mors de filet, dont l'embouchure doit être ronde ou ovale, en métal lisse, non recouvert. Les rênes doivent être tenues à une main et le changement de main est interdit. Les cavaliers doivent obligatoirement porter une tenue western, qui comprend un pantalon, une chemise à manches longues avec un col, un chapeau et des bottes de style western. Les éperons et les chaps, jambières de cuir, sont facultatifs. Le cavalier peut décider de porter un casque qui, en revanche, est obligatoire pour les cavaliers juniors. La notation suggérée se fait sur une base de 0 à l'infini, 70 représentant une performance moyenne. Il existe des pénalités score 0 qui sont synonymes d'élimination. Les autres pénalités vont de 1 demi-point à 5 points. Tout mauvais traitement délibéré à l'encontre du cheval dans l'enceinte du manège et tout abus constaté avant ou après l'épreuve seront pénalisés. Tout écart du parcours imposé, pattern de la part du cheval, ainsi que tout mouvement de ce dernier non voulu par son cavalier sont considérés comme un manque de contrôle et donc pénalisés. Un reculé non demandé, un tourné de plus de 90 degrés, le trot sur une distance supérieure à celle exigée, ou bien encore la perte du chapeau ou d'une partie de l'équipement du cavalier sont également pénalisés. Les juges notent les cavaliers sur des parcours préétablis ou patterns, composés de 7 ou 8 manœuvres à exécuter dans un certain ordre. Les cavaliers prennent connaissance du pattern après tirage au sort, avant le début de l'épreuve. Les spins sont des tours complets de 360 degrés sur l'arrière-main, autour d'un pied postérieur qui fait office de pivot et qui doit être ancré dans le sol. Les hanches ne doivent pas bouger et le cheval doit conserver son rythme, sa finesse et sa vitesse d'exécution. Les rollbacks sont des tours de 180 degrés précédés et suivis d'un galop en ligne droite. La manœuvre consiste à galoper, s'arrêter, tourner sur l'arrière-main et repartir au galop sans hésitation et sans temps d'arrêt. En outre, le cheval doit repartir dans les mêmes traces. Les cercles sont des figures qui s'exécutent au galop, à des vitesses différentes, où le cheval démontre sa prédisposition à être guidé. Ce sont des manœuvres particulièrement difficiles en raison de la différence marquée entre les allures. Les cercles doivent être exécutés avec la plus grande précision et en respectant le tracé établi. La différence doit être nette entre la vitesse et le diamètre d'un cercle petit et lent et la vitesse et le diamètre d'un cercle grand et rapide. Enfin, que les cercles soient exécutés à droite ou à gauche, la vitesse doit être la même.
Lors du reculé, le cheval doit rester en ligne, en rythme, sur une distance qui ne doit pas dépasser 2 foulées. Lorsque le cheval marque l'arrêt, il doit rester calme, à l'endroit où il s'est immobilisé, sans bouger. Pour réaliser un sliding stop, le cheval doit rester droit, abaisser son arrière-main pour faire venir les postérieurs sous sa masse, pendant que les antérieurs trottent pour continuer à avancer. Il existe différentes catégories en fonction du niveau et de l'âge des cavaliers, comme des chevaux. On dit parfois que le reining est l'équivalent western du dressage classique, à la différence près qu'il est exécuté au galop. Au vu des pénalités, on peut comprendre qu'il soit difficile d'atteindre la perfection dans une discipline aussi exigeante. Quand un cheval vit au box, il est important d'essayer de reproduire le plus possible l'alimentation qui serait la sienne s'il était au pré. Il faut bien se rendre compte que c'est à nous de nous adapter à notre cheval et non l'inverse. En liberté, les chevaux consacrent 60% de leur temps à s'alimenter, car ils possèdent un petit estomac par rapport à leur volume corporel. Pour stimuler la digestion, ils ingèrent de petites quantités d'herbe en continu pendant presque toute la journée. Cette herbe transite lentement dans l'appareil digestif et provoque les mouvements péristaltiques nécessaires à une bonne digestion. Dans le cas d'un cheval au box, il est conseillé de lui donner à manger tôt le matin, à une heure fixe, en hiver comme en été, afin de réduire les plages où il ne mangera pas. À 5 heures du matin, il faut d'abord lui donner du foin. Grâce aux fibres qu'il contient, le foin stimule le processus digestif. En général, le foin est placé dans des filets, dans le box, en quantité nécessaire pour que le cheval puisse l'arracher comme il le ferait dans la nature. Avant de lui donner sa ration de foin, il faut la mouiller avec de l'eau pour éliminer la poussière et faire ramollir les tiges et les feuilles du foin, qui est ainsi plus facile à mastiquer. Pour éviter que les feuilles ne tombent par terre lorsque le cheval arrache le foin du filet, il est d'usage de placer un seau sous le filet. Le cheval pourra, à la fin de la journée, manger tout ce qui est tombé dedans. Après avoir distribué le foin, il faut préparer les aliments, les céréales, qu'on donnera au cheval une heure plus tard. Il est également recommandé de mouiller les céréales dans une bassine. Une heure suffit pour faire ramollir et grossir les grains. Cela contribue à faciliter la mastication. De plus, l'humidité élimine la poussière des grains de céréales, ce qui permet d'éviter les problèmes respiratoires. Si le cheval a mangé du foin en quantité, il n'aura plus vraiment faim lorsqu'on lui donne les céréales, qu'il mangera par conséquent plus lentement. Cependant, un cheval particulièrement glouton peut avaler de grandes quantités de céréales en peu de temps. Cela provoque l'accumulation d'une quantité importante de céréales dans l'estomac, qui, à la suite des processus de fermentation et de digestion, entraîne la production de gaz.
Pour faire en sorte que le cheval se nourrisse plus lentement, il est conseillé de placer dans sa mangeoire des pierres en quantité suffisante, de 2 ou 3 cm. Ces pierres vont obliger le cheval à les séparer de son fourrage, l'empêchant ainsi de se précipiter. Aux environs de midi, après l'exercice, on lui donne une nouvelle ration de foin, pas nécessairement de bonne qualité. Ce repas sert à distraire le cheval pour éviter qu'il ne mange sa litière ou ne fasse d'autres bêtises. À 5 heures de l'après-midi, il faut commencer à humidifier la ration du soir, puis installer la litière qu'on répartira de façon uniforme dans le box, en y laissant un peu de foin. Deux heures plus tard, vers 7 heures, on lui donne une nouvelle ration de céréales, précédemment mouillée. De cette manière, le cheval ira dormir l'estomac plein. En ce qui concerne l'eau dans le box, il est indispensable que le cheval en ait toujours une quantité suffisante à sa disposition pour boire à sa guise. L'eau est fondamentale pour la santé du cheval, peut-être plus que la nourriture. Il ne doit par conséquent jamais en manquer. Un cheval correctement nourri sera moins exposé aux troubles alimentaires et son rendement s'en trouvera amélioré. Le foin et les céréales seront mieux utilisés. La santé du cheval sera préservée et les problèmes de santé évités. Quant au plaisir partagé avec notre cheval, il ne sera qu'augmenté. Depuis que l'homme a commencé à domestiquer le cheval, il a développé une multitude d'accessoires pour faciliter son contrôle. L'un des éléments les plus courants est le harnais de tête, appelé licole, indispensable à toute activité équestre. Le licole sert à mener le cheval en main, à l'attacher dans son box ou à un poteau, ou encore à lui apprendre à rester attaché durant le dressage. Lorsqu'on laisse un cheval en liberté, au pré ou dans un enclos, le licole permet de le récupérer plus aisément. Mais si l'on utilise un licole en continu, on recommande les licoles en nylon ou en matière synthétique, qui résistent à la pluie, au soleil et à l'humidité. Un bon licole se compose ainsi. Un dessus de tête ou têtière qui passe derrière les oreilles du cheval et permet de maintenir le licole sur sa tête. Une muserolle qui entoure le nez du cheval et en limite les mouvements de mâchoire. Un système de boucles et de montants pour régler la hauteur de la muserolle sur le nez. Une alliance, petite courroie située sur la partie inférieure du licole, avec deux anneaux à chaque extrémité, assez solides pour éviter que le cheval ne les rompe. Les licoles sont munis de boucles facilement réglables. Il faut veiller à ce que les boucles n'endommagent pas les parties synthétiques lorsque le cheval tire sur le licole pour s'échapper. Certains licoles de cuir possèdent des systèmes de fermeture à boutons. Il est déconseillé de choisir ce procédé si l'on est amené à régler et à modifier fréquemment la position du licole. On préférera, dans ce cas-là, un système de courroie avec anneau équipé de velcro. Ce système, très pratique, a déjà fait ses preuves en termes de résistance, réduisant considérablement les coupures et les blessures. Il faut éviter les têtières trop fines ou tressées, car elles peuvent blesser ou lacérer la nuque. De telles lésions provoquent ensuite une hypersensibilité au niveau des oreilles. Quant à la muserolle,
Elle sert à contrôler le cheval, notamment pendant ses déplacements. Avec des chevaux calmes et dociles, on peut utiliser n'importe quel type de muserolle plate, qui s'avérera, en revanche, beaucoup moins efficace avec des chevaux plus impétueux. En effet, pour garder le contrôle sur des étalons ou des montures particulièrement nerveuses, on conseille l'usage de muserolles plus dures, mais doublées en matériaux souples pour éviter les coupures. La pression exercée sur son nez et la gêne procurée par la muserolle empêchent le cheval de faire usage de toute sa force, ce qui va faciliter notre contrôle. Un licol peut parfois posséder des anneaux sur le côté qui permettent d'attacher les brides pour guider le cheval. Durant les périodes de croissance dentaire, il est préférable d'éviter l'usage d'embouchures de tout genre. La taille de la tête du cheval varie selon les races, mais aussi avec l'âge du cheval. Pour cette raison, il est recommandé de choisir un licol qui permet de régler la position de la muserolle sur le nez du cheval. Les muserolles trop longues ont tendance à gêner le cheval, tandis que celles trop courtes remontent généralement sur le chanfrein du cheval, réduisant notre contrôle. En effet, la muserolle doit se trouver au milieu du chanfrein, à mi-chemin entre la ligne des yeux et le bout du nez. On ne compte plus les modèles de licol disponibles sur le marché, ils sont légion, chacun avec ses caractéristiques. Il est donc indispensable de bien connaître le rôle du licol pour choisir celui qui s'adaptera le mieux à notre monture. Le travail sur Cavaletti est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour améliorer la souplesse et l'adresse du cheval et présente en outre de nombreux avantages. Cet exercice permet au cavalier de perfectionner son équilibre, de travailler son contact avec la bouche du cheval et de parfaire son assiette. En définitive, les Cavaletti servent à développer et à améliorer ce que l'on appelle le tact équestre, autrement dit, la capacité du cavalier à percevoir le bon équilibre de sa monture. Les Cavaletti permettent également de faire travailler les articulations du cheval et par conséquent d'améliorer ses allures. Ils favorisent en effet l'allongement des foulées du cheval qui, en ce faisant, perfectionne sa souplesse longitudinale et son rythme. Les Cavaletti sont des barres d'obstacles en bois. De forme ronde, elles font 10 à 15 cm de diamètre et mesure environ 2 mètres de long. La difficulté du travail sur Cavaletti, ainsi que celle des exercices que l'on demande au cheval, varie selon que les barres sont au sol ou surélevées. Pour cela, les barres sont posées sur des croisillons. Ce système permet de modifier très facilement la hauteur des barres et de créer trois niveaux de difficulté: haut, moyen et bas. Lorsque l'on travaille pour la première fois avec un cheval sur des Cavaletti, il faut commencer par l'habituer à ce nouveau type d'obstacle. Pour cela, on place l'une des barres en position basse, perpendiculairement à la palissade qui délimite la piste. Puis, à chaque extrémité de cette barre, on installe deux autres Cavaletti, de manière à former un angle fermé. Le cheval distinguera ainsi une forme d'entonnoir destiné à l'empêcher d'esquiver l'obstacle. Il faut donc emmener notre monture à proximité de l'installation et lui laisser tout le loisir de l'observer et même de la flairer. L'idéal est de parvenir sans trop tarder à lui faire franchir la barre d'obstacle en se faisant aider par une personne qui pousse le cheval par l'arrière.
Au moment où l'on franchit la barre, il faut caresser affectueusement son cheval pour lui signifier qu'il fait exactement ce que nous attendons de lui. On répétera le passage autant de fois que nécessaire, avec la méthode qui nous a paru la plus efficace, jusqu'à ce qu'on sente que le cheval n'éprouve plus ni peur, ni incertitude. En selle, il faut pousser le cheval avec les jambes pour l'inciter à ne pas reculer, mais avec beaucoup de douceur pour respecter son approche. Le moment sera alors venu d'enlever la barre que nous avions placée le long de la palissade. On franchira alors à nouveau le cavaletti en perpendiculaire, le plus près possible de la palissade. Après cela, on pourra enlever également la barre placée côté intérieur qui servait à fermer l'entrée de l'obstacle. Désormais, on peut ne laisser que la seule barre d'obstacle qu'on déplacera un peu pour continuer à former un angle légèrement fermé avec la palissade en entonnoir pour ne pas troubler le cheval. Une fois la barre franchie correctement au pas, il faut renouveler l'exercice au trot, puis, si l'on ne rencontre pas de difficultés, au galop. On poursuivra avec une série de cavaletti sur un seul côté, les barres toujours placées au sol et assez distancées les unes des autres. Là aussi, on enchaînera le pas, le trot et le galop. Il n'est absolument pas nécessaire et même déconseillé de corriger notre monture étant donné que notre seul objectif pour le moment est de lui donner confiance pour franchir les cavaletti. Au début, 4 cavaletti sont largement suffisants et en utiliser davantage pourrait s'avérer contre-productif. Ainsi se conclut cette période de familiarisation aux cavaletti. Elle va permettre au cheval et au cavalier de commencer véritablement à travailler leurs allures et leur position sur ces barres d'obstacles. Transporter des chevaux pour participer à des courses ou à des concours, pour se rendre chez le vétérinaire ou pour aller se reposer à la campagne, est de plus en plus fréquent. Pendant le voyage, les risques pour les chevaux sont nombreux et souvent sous-estimés. En effet, il faut savoir que les chevaux aiment par nature la vie en liberté, et que la fuite est leur principal moyen de défense. Le transport dans un van ou un trailer de petite taille peut provoquer un stress important pour le cheval et avoir des conséquences fâcheuses. Évidemment, on ne peut pas comparer un voyage de 2 heures avec un déplacement de 1200 km. En tout état de cause, et même pour le plus bref des transferts, il faut prendre en compte une série de facteurs fondamentaux qui permettent d'éviter de sérieuses complications. Bon nombre d'incidents liés au transport interviennent avant même le début du voyage. Le cheval doit en effet apprendre à monter dans le van. Cela nécessite une préparation préalable, où expérience et patience sont indispensables. Il faut éviter toute punition à l'encontre du cheval et privilégier au contraire la récompense, avec une carotte ou une ration de nourriture lorsqu'il monte dans le van. Ces sessions d'apprentissage doivent bien sûr se dérouler bien avant le véritable transfert, pour éviter que notre patience cède la place à l'impatience. Une bonne solution consiste à laisser le van ouvert, avec de la nourriture à l'intérieur, toujours plus vers le fond du véhicule. S'ils veulent manger, les chevaux devront donc grimper dans le van. Ils oublieront vite leur appréhension et monteront sans trop de difficultés.
Pour éviter les incidents et les blessures, il faut avant tout que le véhicule soit aux normes, selon la législation en vigueur. Cela concerne les phares, les freins, la hauteur et la largeur du van, ainsi que tous les éléments de sécurité, comme le crochet d'attelage et les chaînes correspondantes. À l'intérieur, il faut installer des tapis amortisseurs pour le confort des chevaux, ainsi que des volets d'aération. Une bonne ventilation permet d'éviter d'éventuels problèmes respiratoires liés à la forte odeur dégagée par les excréments des chevaux. Pour protéger les membres des chevaux pendant le voyage et lors de la montée et de la descente du van, il faut mettre des bandes de repos ou des guêtres de transport plus enveloppantes. Sur la queue, il faut placer un protège-queue, car nombreux sont les chevaux qui voyagent en s'appuyant sur la porte arrière du van, ce qui peut provoquer des lésions. Si le cheval est amené à entrer en contact avec d'autres chevaux, il est important de le faire vacciner 15 jours avant le transport pour renforcer ses défenses immunitaires. Pour les longs voyages, il est préférable d'administrer au cheval des antibiotiques à large spectre pour le protéger cette fois d'éventuelles défaillances immunitaires. Il est par ailleurs nécessaire que le cheval dispose de suffisamment de foin pendant le voyage. Cela le rassure et fait travailler son appareil digestif. Lorsqu'il fait très chaud, il faut fournir au cheval de l'eau en grande quantité, dans de gros seaux. Boire en quantité va lui fournir de bonnes doses d'électrolytes. En évitant qu'il se déshydrate, on sera certain de trouver notre cheval en forme à l'arrivée. D'autre part, le cheval doit être attaché avec une longe de transport assez longue pour qu'il puisse baisser la tête sans difficulté. Si ce n'est pas le cas, cela peut affecter sa ventilation pulmonaire et, avec l'effet du stress lié au voyage, provoquer une pleuropneumonie, l'une des complications les plus fréquentes provoquées par un transfert prolongé. Malheureusement, la plupart des vannes de transport ne permettent pas au cheval de bouger sa tête et son encolure à sa guise. Voilà pourquoi il est conseillé de s'arrêter toutes les 4 heures, de le faire descendre du van et de le laisser se dégourdir un peu. Une autre complication liée au transport, assez fréquente elle aussi, concerne les inflammations musculaires. Lors du voyage, le cheval doit se maintenir en équilibre et sollicite des muscles qu'il fait rarement travailler d'habitude. Il peut donc se fatiguer plus que de raison. Même si cela peut paraître étrange, il a été prouvé que les chevaux maintiennent mieux leur équilibre s'ils voyagent en diagonale et avec la tête placée dans le sens opposé à la conduite. Il est également utile d'avoir à portée de main le numéro de téléphone de notre vétérinaire, ainsi qu'une trousse de premier secours. La personne responsable du transport doit être capable de reconnaître les symptômes d'une déshydratation et d'administrer des médicaments si nécessaire. Il faut parfois administrer des tranquillisants à certains chevaux pour qu'ils puissent supporter un voyage, et ce, sans risque pour leur intégrité physique. Avant de donner un médicament à notre cheval, il est indispensable de consulter au préalable le médecin vétérinaire qui conseillera le traitement le mieux adapté, les doses justes et les précautions à prendre avec un cheval sous tranquillisant. Lorsque l'on transporte un cheval en respectant toutes les mesures de sécurité et de prévention, l'arrivée en est très souvent facilitée. Faire descendre le cheval du van pour l'emmener brouter se fera donc tout naturellement.